Le soutien continu du système qatari pour le groupe terroriste et ses alliés, l'Iran et la Turquie, a boycotté les pays arabes. Les résultats de ce boycott ont affecté sur son billet. Par le manque de liquidité, le tourment économique et l'absence d'investisseurs et d'autres. Les citoyens et les résidents du Qatar ont réorganisé leurs priorités de consommation en raison de la crise de liquidité provoquée par la faiblesse de l'économie locale et le déplacement d'investissements existants de l'OBE pour rechercher des marchés plus stables. La réorganisation des priorités est apparue clairement de la hausse de l'inflation en février dernier, alors que les prêts à la consommation ont reculé de 1,55% d'une année sur l'autre. Un rapport récent publié par le ministre de la Planification du Développement et des Statistiques de Développement a montré que les achats de véhicules par les consommateurs ont diminué de 10,9% en janvier par rapport à l'année précédente. La baisse des ventes de véhicules au Qatar en janvier dernier, le quatrième mois consécutif, se reflète le ralentissement des marchés de taille à Doha. Le nombre total de véhicules vendus sur le marché qatarien en janvier dernier, soit environ 5598 véhicules contre 6283 en janvier 2018. Le nombre total de véhicules de transport privé vendus au cours du mois de janvier, environ 1111 véhicules comparé à 1541 véhicules pour la période correspondante de l'année précédente 2018, en baisse de 28,9%. Les ventes de locomotives ont diminué de 63,3% en janvier, avec des ventes de 69 véhicules contre 188 véhicules pour la période correspondante de 2018. En janvier, le nombre de ventes d'équipements lourds s'est élevé à environ 116 contre 317 pour la même période de la dernière année, ce qui représente une baisse de 63,4%.